On tient tout d'abord à souligner donc, l'ampleur du travail que vous avez accompli, le contexte dans lequel vous l'avez fait, le fait que vous avez travaillé avec beaucoup de monde et que vous avez réussi à communiquer, à travailler avec ces gens différents pour obtenir des résultats qui ont été jugés très convaincants. Sans nier toutes les difficultés que vous avez rencontrées, on est tous revenus sur les coups de chemin, donc on a vraiment fait le tour. On a bien vu que d'abord vous avez vraiment participé à tout ce que vous avez montré, que vous avez vraiment participé, fait des expériences, et vous avez une vraie honnêteté scientifique, c'est-à-dire que vous ne cachez pas les difficultés, et c'est juste comme ça qu'on avance. Donc ça, on tenait à le souligner. Donc l'exposé que vous avez fait ce matin confirme que vous avez une grande aptitude à la communication scientifique, et ça, c'est important. On a mentionné les uns les autres que vous avez obtenu le prix de la Terre 180 secondes. Là, vous avez eu plus que 180 secondes. Et là aussi, on s'est aperçu que vous avez communiqué votre science, y compris sur des choses qui peuvent apparaître rébarbatives. Quand vous dites que ça n'a pas fonctionné, ok. Et vous réussissez à communiquer ça aussi. Donc ça, on tenait à le souligner. Alors, pour toutes ces raisons, donc le jury, sans aucune hésitation, vous accorde le double grade. Le docteur de l'Université de Bordeaux et de l'Université du Québec.